que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'en va à Montréal. On s'en va essayer des places et on s'en va déjeuner slash dîner dans ma place favorite de Montréal. Vous allez voir tout ça. J'espère qu'on va découvrir des trucs aussi alentour qu'on n'a jamais vu. Bref, fait que là, il est 10h37. Puis moi, je suis toute habillée. Puis il est encore dans le lit. Mais on s'habille, puis on part. Je suis encore en slash déménagement, restructuration de la maison. Alors, c'est un bordel. Je sais pas si vous voyez, mais l'arrière, c'est un peu un bordel. Mais je vais juste vous montrer de où venaient mes trucs. Et ce chandail-là, je l'ai trouvé au Simons. Je l'aime tellement. Ce chandail en maille, il est un peu transparent. Et ces shorts-là, je les adore. Vraiment bizarre comme point de vue. Mais ces shorts-là viennent du Dynamite. Ouais. C'est une coupe genre papa. Je sais pas comment dire, mais j'adore. On est sorti à la station Laurier et est-ce qu'on est surpris? Il pleut! Ben non, il pleut toujours! Mais là, on s'en va au salon du thé Cardinal. On attend un peu que la pluie passe. Quand vous venez au salon du thé, l'entrée est vraiment cachée, ok? Vous voyez juste ça. Genre la porte rouge puis une petite pancarte. That's it. C'est au deuxième étage. On vient de finir au Salon du thé Cardinal. Avant les taxes, ça nous a coûté 66$ pour la formule 2 personnes. Que c'est comme un genre de plateau 2 étages. Après ça, on a eu 2 petites théières de thé différentes. C'était excellent. Pour vrai, c'est excellent. Puis ils changent un peu toujours les trucs qu'ils mettent dans les plateaux. Nous, on a eu des brownies, scones, des muffins, 2 types de sandwichs différentes. On poursuit notre journée avec, comment on appelle ça, l'exposition d'art. C'est pas, j'ai oublié le nom. Miroir. Ouais, mais ça, c'est genre une exposition d'art ludique, ça s'appelle. C'est Miroir. C'est à Montréal, à la place Bonaventure. Et là, vu qu'il pleut, on était en mode recherche d'activité intérieure. On a trouvé ça. Alors, on s'en va au métro Laurier jusqu'au métro Bonaventure. Pour faire cette activité. Ça a coûté 17$ par personne. So
fini Miroir Miroir. C'était vraiment impressionnant, c'était vraiment spécial. Il y avait une chambre des miroirs, là. Moi c'était ma préférée, avec toutes les lumières. On dirait que tu savais pas où t'allais, puis on dirait que t'étais perdu. C'était vraiment cool. Puis là, on s'en va sur Saint-Cat. Moi, j'ai le goût d'aller au Brandy, parce qu'il y en a pas à Laval. Puis je veux m'acheter du petit linge. Waouh, le taux! C'est belle. On a fini notre petite marche. Quand je suis arrêtée au Brandy, je me suis trouvé un pull que je trouvais vraiment trop cute. Ça fait un peu genre marin, tu sais. Genre bleu ni blanc. Mais c'est plus beige. Quand on est allé au Miroir Miroir, à la fin, là, tu prends une photo puis tu sélectionnes genre des cartes avec ta main, c'est full interactif. Puis moi, ça a tombé sur cette carte-là, puis on pouvait la prendre. Ça dit « Ta curiosité est un cadeau. Déballe-la et découvre les surprises qui t'attendent. Mystère, valeur, limite. » C'est qu'avant, fallait que tu penses genre à une question sur ton avenir. En tout cas, c'est ce que j'ai eu. Et ce chandail-là, il était 53$. Ah, oh, puis le café qu'on est allé tantôt, oh my god. C'était tellement cute. Il y avait comme des orangiers au plafond. C'est des foules. Mais c'est vraiment beau. On dirait un peu vibe Turquie arabe. Ce soir, je pense qu'on va essayer de se trouver un resto pour aller souper parce qu'on dort pas à l'appartement ici, on retourne à Laval. Mais non, pas.